Alekedon Baon TV Productions. Promouvoir, valoriser, préserver le patrimoine socio-culturel et religieux, Avicam en général, et du village d'Alekedon en particulier, abonnez. Bonsoir, cher peuple du Seigneur, peuple d'Alekedon. Nous sommes chez notre maman, maman Yenon Mathilde. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va laisser maman Yenon se présenter. Parce que je pense que depuis le temps de notre PL, tonton Apollos, elle a été des nôtres, elle continue d'être des nôtres, et ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu la voir, certainement pour des raisons d'activité qui l'ont tenu loin de nous. Maman, comment tu vas? D'accord. Cette année, Dieu a fait la, c'est la chorale Bethlehem d'Alekedon qui organise la moisson. Donc, vu que ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu, il était question pour nous de passer aujourd'hui. Réellement, tu dis bonne heureuse année et puis prendre de tes nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à tes frères et sœurs qui ne t'ont pas vu depuis, on va dire, peut-être un an ou deux ans? Bon, pour commencer, je voulais saluer tout le peuple d'Alekedon, tous les frères et sœurs d'Alekedon, parce que moi-même, je me considère comme d'Alekedon. Et leur souhaiter aussi des meilleurs voeux, parce que depuis l'année nouvelle, j'ai vu quelques-uns, mais pas tout le monde. Et je voulais souhaiter, par cette occasion, souhaiter mes voeux les meilleurs, pour que Dieu même les accompagne. Bon, pour ce qui concerne ma présence, je pense que c'est parce que je ne suis pas trop au parfum des activités. Et lorsque j'apprends qu'il y a eu une activité, c'est que l'activité est déjà passée. Et ça fait que à chaque fois, je me plains. Je dis, ah, vous m'avez abandonné. Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Et je veux vous bénir pour tout ce que vous avez fait. Amen. Merci beaucoup, maman. En tout cas, nous avons bien compris. Alors, comme je le disais là, on a une mini moisson qui sera organisée le 27 avril. Malheureusement, on va dire, ou bien heureusement, beaucoup sont nos frères là qui jusqu'à aujourd'hui traînent les pas pour venir réellement rendre grâce à Dieu au travers de ces rencontres. Aujourd'hui, pour vous, on va dire peut-être qu'il n'est pas enfant d'Alekedon purement dit, mais qui avait l'amour d'Alekedon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont d'Alekedon, mais qui aujourd'hui sont un peu réticents quant aux activités? Merci, mon Dieu. Ce que je peux dire aux parents d'Alekedon, c'est que ce que nous avons déjà commencé, il faut très bien le terminer. Parce que avec le Seigneur, il faut toujours aller de l'avant. Si tu relâches, c'est que, parce que lui-même il dit, si tu n'es pas avec lui, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc chacun doit faire toujours l'effort de continuer le travail jusqu'à ce que un jour Dieu te rappelle. Si Dieu ne t'a pas encore rappelé, il ne faut pas dire que le travail est terminé. Parce que le travail ici-bas, dans le Seigneur, il faut le faire chaque fois et continuer, chaque fois chercher à évoluer, Ne baisser plus jamais les bras parce qu'on n'a pas fini. On a bien commencé et il faudrait que nous continuions et que la moisson, que ce que nous avons fait. Moi, je suis allée à Alekedon il y a très longtemps. J'ai vu que le temple, il n'y avait pas de plafond. Tout, mais vous savez, aujourd'hui, il y a un plafond, on a fait le carrelage du temple. Donc, il faut qu'on évolue. On ne peut pas baisser les bras. Il faut continuer à changer, à changer le village par rapport. Parce que nous sommes plus nombreux aux villages qui sont méthodistes. Nous devons continuer le travail du Seigneur. Donc, le 27 avril, qu'on le dit, nous invitons tous les gens d'Alekedon, ceux qui sont nés fils et filles d'Alekedon, nous les invitons. Ceux qui ont épousé des hommes ou des femmes d'Alekedon, nous les invitons. Ceux aussi par alliance, par amitié comme moi, qui pas aussi Alekedon, je les invite tous pour que nous soyons tous nombreux à William Civil pour pouvoir faire la fête, hein, la mini-moisson. Non, merci beaucoup, maman. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cet appel-là.
Alors, comme maman vient de le dire, elle est prédicatrice à Exode, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est vraiment, je veux dire, Dieu qui fait grâce à Alikedon. Si notre maman aujourd'hui, qui a aimé le village, qui est en train de nous exhorter à aller arrière, donc j'aimerais encore par le canal de maman vous inviter une fois de plus, le 27 avril à compter de 9h, nous avons notre première mini-moisson. Et nous savons les objectifs que nous sommes fixés cette année. Et Dieu voulant, il permettra qu'on puisse réellement trouver les moyens nécessaires pour pouvoir réussir cette moisson-là. Alors on aimerait compter sur tout le monde. Tu es pasteur, tu es enfant, tu es fils, tu es, je ne sais quoi, tu es élève, tu es étudiant, à lesquels on a besoin de toi pour pouvoir mener à bien cette œuvre que nous avons commencé. Ne regarde pas au moyen que tu as, parce que c'est surtout ça. Certains se disent que, maman, comme je n'ai pas aujourd'hui, si je dois aller à la moisson que je n'ai pas pour donner à Dieu, mieux vaut m'asseoir à la maison. Non, c'est vrai que Dieu, te regardant, sait qu'aujourd'hui tu n'as pas, mais ce n'est pas forcément les finances que le Seigneur regarde. Il regarde à ce que tu peux apporter. Au niveau d'Alikedon, d'autres savent chanter, d'autres sont bien dans l'organisation, d'autres, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce dont le Seigneur a besoin aujourd'hui pour pouvoir faire son œuvre. Donc, vraiment, merci. Nous tenons vraiment à vous dire encore merci pour vous qui nous suivez. Suivez-nous sur Alikedon Baon TV Production du frère Job. Et puis, notre maman est là. Vous l'avez vu aujourd'hui, elle se porte parfaitement bien par la grâce de Dieu. Certainement, maman, si peut-être pour nos frères, certainement qui veulent te contacter, qui n'ont pas de tes nouvelles, est-ce que tu peux laisser un numéro, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de quoi. D'accord. Moi, je suis au 01-02-27-55-23. D'accord. Donc, vous avez bien... c'est mon numéro WhatsApp. Ah, tant mieux. Donc, vous avez bien noté. Nous tenons vraiment à vous dire merci. Et puis, dire merci aussi à la maman qui a été disponible aujourd'hui pour nous recevoir. Et on va dire, on se voit au 27 avril 2024 à l'UNIAGI. Merci.